Salut. Comment tu vas? Tu me suis? Tout sur la marche, hein. On est reparti pour une petite journée de travail. Je crois que ça va être quoi aujourd'hui? On va courir. Ou on va courir. On y va? Allez, dépêche-toi! Ça va pas trop mal? Je suis bien installé. J'ai découvert pas mal de mes coéquipiers. Presque tous. Ça se passera très bien jusque-là. Strasbourg a une place toute particulière dans mon cœur, parce que c'est ici que je me suis fiancé avec ma femme. Je suis content de revenir dans cette ville et redécouvrir un petit peu la chose sous un nouvel angle. Il y a des choses qui ont changé. J'ai été voir mon ancien quartier, Capoussé, maintenant c'est une ville, le truc. Mais c'est sympa de revoir des anciens bâtiments, des choses qu'on a connues. Je suis tombé amoureux de Bruges, Amsterdam, et je retrouve un peu cette vibe-là, cette architecture-là que j'ai pu retrouver dans ces villes-là. Donc c'est sympa, je me sens déjà chez moi, c'est cool. Comment se passe la reprise? C'est dur. Non, mais j'ai été intelligent, je me suis bien préparé quand même physiquement avant d'arriver, mais tu connais la préparation physique, ça envoie. Donc pour l'instant, on n'a pas trop touché la balle, on a fait pas mal de préparation physique, mais bon, c'est un moment à passer, et puis c'est cool parce que ça resserre les liens, ça crée une vraie cohésion de groupe, et on a tous hâte de s'y mettre, et l'ambiance de travail est relativement saine, donc c'est cool. Allons-y, let's go. J'ai découvert la magnifique forêt de la Roberto. Et j'ai découvert le magnifique terrain d'Urinus aussi. on a beaucoup couru, ouais. Bah, il y a encore des automatismes qui doivent se créer. J'apprends à connaître mes coéquipiers, qui sait faire quoi, qui joue de telle ou telle façon. Mais ça sent qu'il y a déjà une petite alchimie l'année dernière, où il y a des joueurs qui savent jouer les uns avec les autres et qui mettent les autres à l'aise aussi. Donc je suis confiant pour la suite. Le vestiaire vit très très bien, et comme je disais, on apprend vraiment à se connaître, mais pour l'instant on part sur de bonnes bases. On va essayer de faire aussi des choses en dehors du terrain, histoire d'apprendre à se connaître, de manger ensemble, etc. Les objectifs de la semaine, c'est vraiment mettre en place un maximum le collectif, et surtout apprendre à connaître la façon dont un tel et un tel jouent, pouvoir jouer vraiment avec les qualités de chacun.